Je sors du marché de la truffe, la 25e édition chez Jacques Cibois, et je suis évidemment ravi, et en tout cas j'ai trouvé très courageux de la part de Michel Santinelli et de Jacques Cibois de maintenir une manifestation malgré les conditions sanitaires que nous connaissons tous et qui ne permettent pas de déguster ensemble de façon conviviale les truffes qu'il avait évidemment l'intention de nous donner. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir si les marchés comme ceux-là pourraient trouver un avenir dans une digitalisation, c'est-à-dire que sans être présent réellement sur le marché, on puisse, au travers de vidéos, dans le monde entier d'ailleurs, faire un chemin gastronomique au travers des petites visios. Alors je dirais oui, bien sûr, c'est très bien, mais quand même, malgré tout, il manquera quelque chose. L'odeur, le goût, vous ne l'aurez pas. Vous verrez, vous aurez sans doute envie de vous approcher de ces aliments, de ces vins qui vous tentent de loin. Mais il va vous manquer une partie d'essence. Et je pense à ce merveilleux poème de Baudelaire. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. La truffe, c'est un peu tout ça. C'est à la fois la nature, la forêt, mais quand on la respire, on sent tout ça. Et là, au travers des vidéos, il y aura un message un peu hémiplégique, surtout dans la gastronomie. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'il faut essayer de le faire. Et si ce n'est le goût et le parfum, au moins donner le désir. Thank you.